Alors voilà 4 années qui s'écoulent, de 2013 à 2017. Vous voilà debout, vous avez vraiment le geste que vous faisiez tout à l'heure de votre main qui renaît. C'est vraiment une renaissance. Vous vous relevez, vous êtes toujours l'inventeur que vous êtes, vous retrouvez votre énergie, vous êtes toujours le responsable de vos finances et sur le plan du droit, vous décidez de contre-attaquer. Oui. Je contre-attaque d'ailleurs alors que j'ai sous la main une proposition à 10,270 000 euros. Vous donc, avez 1,5 million environ. Vous avez une proposition de 10 millions de l'État du Cameroun pour passer l'éponge, passer tout par perte et profit, pour tout oublier, pour qu'il n'y ait pas les attaques ou plutôt l'offensive judiciaire ou juridique dont vous parlez. Attendez, précisons les choses pour que les téléspectateurs comprennent bien. L'État du Cameroun vient vous voir à Paris pour vous proposer 10 millions de... un peu plus de 10 millions d'euros. Ouais. Pourquoi? Parce que... Et sous quelle forme? C'est-à-dire que... après l'évacuation sanitaire, l'inimitable M. Nganou Njoumessi tente quand même un barreau d'honneur. Il se demande si le temps qu'ils ont pris, manifestement, volontairement ou délibérément, à ne pas me laisser soigner, n'a pas permis que je devienne impotent ou définitivement grabataire entre-temps. Donc il tente, par une lettre très officielle, de vérifier s'il pourrait faire valoir le cas de force majeure qui se trouve dans un article du contrat des parties entre l'État du Cameroun et le groupe que j'avais l'honneur de diriger. Et donc, il veut voir si je serai encore en capacité, en tant qu'homme clé, en tant que le moteur, en tant que le... Voilà. Il veut vérifier ça. Il a le culot de faire ça. Monsieur Nganou Njoumessi, Emmanuel. Nous sommes en 2016. Il ne manque pas d'oxygène, le bonhomme. Évidemment, nous réagissons vite. Et ils prennent acte. C'est vérifiable. Qu'enfin, finalement, non, c'est pas un légume. Il lui reste quelques neurones. Donc, il va falloir faire avec. Et c'est là qu'une équipe de négociation, par défaut donc, est composée, qui fait les diligences de manière extrêmement ordinaire et classique, et d'ailleurs qui finit finalement à Paris pour cristalliser et finaliser les... Et donc, nous leur disons les choses. Nous disons, c'est vous, ministère de l'Économie, qui êtes responsable de ce qui nous est arrivé. Et nous voulons que vous en rendiez compte à votre mandant, qui n'est autre que le chef du département. De fil en aiguille, nous tombons sur le montant d'un peu plus de 10 millions d'euros, qui ne se fera jamais, parce qu'il aurait fallu que, tout en le proposant, le ministre de l'Économie s'assure des conditions de faisabilité du paiement pour lequel nous étions prêts, parce que je savais... En fait, après Nubel, vous ne savez pas ce qui vous reste réellement comme espérance de vie. Je suis plutôt chanceux, je suis vénard, parce qu'aujourd'hui, je vois bien que la mort, décidément, veut me donner quelques vacances. Apparemment, c'est décidé. Donc, je ressens quelques... Je retrouve des sensations, voilà. Et donc, je me dis, mais enfin, si la mort décide pour de vrai de me donner de bonnes vacances, je devrais peut-être changer mon paradigme. Je ne suis pas un probable mourant qui devrait penser à l'après-lui en négociant à n'importe quel prix. Et donc, lui, il ne va pas chercher l'habilitation que la loi lui impose auprès du président de la République du Cameroun pour procéder au paiement des 10 millions. Et il perd du temps, il fait de la diversion jusqu'au remaniement ministériel, puisque désormais, il occupe la tête d'un autre département ministériel et son successeur n'a pas souhaité, mettre la main dans ce... dans cette mixture un peu désagréable. Et c'est comme ça que le délai de 3 mois que nous avions convenu pour le paiement total, la liquidation totale du montant proposé par eux-mêmes est tombé à l'eau. Et nous en avons repris notre liberté et nous leur avons annoncé que tout ce que nous avons dit que nous ferions sera fait, que l'entreprise revendiquera ses droits, exposera ce qui lui est arrivé. Et moi, comme individu,
que gesterai également en justice, auprès de la justice française, pour faire en sorte de faire reconnaître mes droits. J'ai oublié quand même de vous dire que le Comité des droits de l'homme, donc qui s'occupe de garantir les droits régis ou les droits exposés dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, en fait, ce comité avait été saisi par mes avocats quand j'étais très malade. Non pas tellement pour que mes droits soient constatés, puisque à l'époque, les procédures étant en cours, le protocole facultatif n'autorise pas le comité de se saisir de dossiers dont les procédures internes ne sont pas encore épuisées. Et donc, ils n'ont saisi le comité que dans l'intention stratégique de soumettre une, selon la règle 92 de ce comité-là, de soumettre au comité la nécessité de prendre une décision conservatoire, une décision intérimaire en faveur de ma santé. Et d'ailleurs, nous avons obtenu cette décision. Vous demandiez également, lorsque la France a décidé de mouiller le maillot plus avant, elle avait aussi sous la main la décision du comité demandant à l'État du Cameroun de faire attention à ma santé, de prendre les mesures qui s'imposent pour que... voilà. Donc j'ai oublié de le mentionner. Et si j'y reviens, c'est pour simplement rappeler le fait que l'individu que je suis a déposé des plaintes à deux échelles. En France, bien entendu, et également auprès du Comité des droits de l'homme. Donc il y a une plainte qui est ouverte depuis février à Genève, depuis février 2016, et qui est donc la deuxième procédure qui pouvait être d'autant introduite dorénavant que les condamnations avaient été annulées, que les procédures internes au Cameroun avaient été épuisées. Oui. Et donc, nous pouvions nous y rendre. Mm-hmm. D'où le fait que cette procédure a été de manière régulière reçue. Voilà pour l'individu que je suis. Et pour l'entreprise, elle avait été mise au défi. Après que les 10 millions n'eût pas été payés, on nous avait expliqué, et d'ailleurs on nous avait proposé, c'est vérifiable, hein, ils nous ont dit, bah finalement, c'est pas 10 millions, on va vous donner 150 000. 150 millions. Donc, on va dire à peu près 150 000 euros. Attends, quand vous dites 150 millions, les gens peuvent confondre. C'est 150 millions de francs CFA. De francs CFA. Oui. Mais je ne comprends pas. On vient de vous proposer plus de 10 millions d'euros, et quelques temps après, on revient avec une proposition d'environ 150 000 euros. Oui. Parce qu'au lieu de cela, on aurait dû, s'il restait quelque élégance, manifestement non, on aurait dû dire, finalement, peut-être n'avions-nous pas bien saisi qu'il lui fallut aller voir le président de la République pour obtenir une habilitation nous permettant donc de signer ce transfert de propriété, parce que les transferts de propriété, il faut une habilitation de la prison, et s'il avait fait les choses normalement, le ministère de l'Économie, il aurait... sollicité à l'Assemblée nationale de constater qu'il y a un intérêt public, d'utilité publique. Il ne décrète pas comme ça. Il faut que l'Assemblée nationale prenne un acte. Ou alors qu'on demande au président de la République qui a cette prérogative également. Il n'a pas fait avec l'Assemblée nationale et donc il lui restait la carte du président de la République dans le cadre des négociations de 2016, notamment 2017. Et donc, il n'est pas allé voir le président. J'imagine que ça ne doit pas être extrêmement agréable de se présenter devant monsieur... le président de la République, en disant « Monsieur le président de la République, en fait, j'ai envie de payer 10 millions d'euros à cette entreprise parce que moi, monsieur Ganoundjou Messi, je l'ai invité très officiellement et puis, bah, en fait, on l'a mis en prison. C'est vrai que j'ai été un peu aidé par mon autre collègue. On a à peu près fait n'importe quoi et finalement, c'est quand même mieux, concédez-le nous, monsieur le président, d'arranger les choses plutôt que de les laisser complètement exploser ou pourrir. Donc, moi, je propose maintenant 10 millions. C'est un peu beaucoup, mais en même temps, si vous saviez ce que nous avons fait, c'est vraiment rien. Donc, il n'a pas voulu le faire. S'il avait été élégant, il serait venu. Finalement, je ne vais pas pouvoir demander l'habilitation au président de la République parce que je risque d'être plus ministre. Juste après, il est devenu ministre des Travaux publics. Hein. Attendez, s'il l'avait fait, c'est sûr que monsieur le président n'allait pas le remercier en disant « Bon soldat, t'as bien fait de nous faire payer un chèque de 10 millions pour rien ». Alors qu'on aurait pu juste être partenaire, sans même compter ce qu'on a perdu à ne pas gagner toutes les années qu'on a arrêté le projet. Et donc, en fait, c'est comme ça que de fil en aiguille, il vient avec cette arrogance très propre, vraiment à certaines personnalités dans ces pays-là,
dire, bah, monsieur Jean-Emmanuel Foumbi, finalement, après réflexion, je me demande si, à titre personnel, vous seriez d'accord que mon ministère vous verse la somme de 100 euros. C'est vrai qu'il avait su que nous étions en difficulté, que nous étions ruinés, que l'entreprise, il avait bien tout fait pour qu'elle soit tuée, et que entre la prison, la cessation d'activité et ma guérison, etc., que j'avais à peu près été épuisé. Et donc, il s'est dit, si on tente, voilà, c'est ça l'impunité, c'est que vous osez des choses qu'une personne rationnelle ou alors qu'une personne qui est dans une posture d'homme d'État en charge des affaires publiques ne peut pas s'autoriser parce qu'il ne gère pas le risque de la collectivité publique comme s'il s'agissait d'une affaire complètement privée. Et donc, il propose comme ça pour nous narguer 150 millions. En gros, on prend ça ou rien, quoi, en gros. Voilà. Comme si nous avions encore peur après le camp. Ça se voit qu'il connaît pas Nubel. Lui-même, il connaît pas Nubel. Parce que s'il connaissait Nubel, il verrait qu'il est impossible de sortir de Nubel et avoir encore peur de ce genre de considération un peu, j'allais dire, un peu légère sur les bords. Et donc, quand il propose les 150 000, il dit, un jour, vous risquez de... Je lui dis, monsieur le ministre, est-ce que nous sommes... J'ai fait dire à la partie Cameroun, est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous préférez que nous activions tous les leviers que nous avons vraiment en toute transparence exposés? Vous ne serez pas surpris parce que nous vous disons ce que nous allons faire. Ou on est d'accord, ou on n'est pas d'accord. Si nous sommes d'accord, tout est rangé. On fait avec, même par défaut. Si on n'est pas d'accord, voilà les actions que nous prendrons. Mais ils se sont dit, mais un ex-tolar, mais ça se voit que la prison lui a... Nubel, parce qu'ils appellent prison Nubel. Ça se voit que la prison lui a fait beaucoup de mal. Hein. Il pense que lui, ex-tolar, il va trouver de l'argent pour amener l'État du Cameroun au Sirdi. D'ailleurs, sait-il ce que c'est que le Sirdi? Vous savez que très peu de gens savent ce que c'est que le Sirdi, ce tribunal international de la Banque mondiale qui est très spécialisé dans le domaine des investissements transnationaux entre d'une part les entreprises et d'autre part les États qui font tout pour attirer les investissements, ces investissements privés dans leur pays. Donc, et qui est donc articulé sur le fondement de la Convention de Washington de 1965-66. Et au terme duquel les États renoncent à se prévaloir de leur souveraineté en cas de litige, de façon à être des justiciables au même titre, en droit, que les investisseurs, en l'occurrence que Hope. Donc ils étaient sûrs, mais ça coûte très cher d'aller au Sirdi, c'est pas faux. La pente, elle est raide. Mais pendant des années, il a fallu recuser le déserteur qui accuse la topographie. Il a fallu faire taire l'alpiniste qui fait grief aux aspérités et aux intempéries de la montagne. Et au terme de ce chemin de croix, nous sommes parvenus, pour ce qui est de Hope, à trouver les financements et tout ce qui va avec pour aller au Sirdi, d'une part. Et en tant qu'individu, nous avons déposé les deux plaintes que nous avions promis, l'une à Genève, devant le Comité des droits de l'homme. Elle est en cours et cette année, elle devrait connaître son issue. Et l'autre, en France, pour séquestration arbitraire et torture, aux fins de se saisir, de s'approprier d'un actif. Alors, votre action, Fred de Sirdi, où en est-elle? Peut-être qu'on ne peut pas tout dire, puisque la justice est ce qu'elle est, mais... Si vous pouviez donner les grandes lignes pour que les gens saisissent trois choses. Qu'on saisisse d'abord l'aspect inhabituel. Je n'ai pas souvenir qu'un Africain ou un Camerounais ait pu engager cette action. Donc c'est une action tout à fait innovante et qui vient de la part d'un inventeur, c'est pas surprenant. Donc pour souvenir les trois aspects, l'aspect innovateur, innovant de cela. Deuxièmement, les enjeux financiers de cette histoire. Et enfin, la réflexion générale que vous pouvez faire pour que, si demain ça devait arriver à quelqu'un, cela n'arrive pas, y compris vis-à-vis des États africains. Parce que c'est très dommageable pour l'idée d'attractivité qui est un des drapeaux qui traîne partout. En effet, alors, s'agissant du Sirdi,
En effet, le CIRDI a un peu plus de 155 membres, parmi lesquels les États-Unis. Je dis les États-Unis parce que la holding du groupe Hope est de droit américain. Même si Hope avait des entreprises en France, au Sénégal, au Bénin, etc. Mais la holding, la maison mère, si on peut dire, elle est américaine. Et les États-Unis et le Cameroun ont ce qu'on appelle un traité bilatéral d'investissement. C'est-à-dire que deux États se mettent d'accord, signent un traité bilatéral entre eux deux, avec des règles qui régissent la façon dont chacun des deux pays va traiter les investissements de l'autre, venant donc des acteurs privés de l'autre. En l'occurrence, l'acteur privé américain, c'est Hope, qui s'est rendu au Cameroun. Donc le traité bilatéral d'investissement Cameroun-États-Unis, que chacun peut retrouver sur Internet, effectivement, régit la façon dont Hope aurait dû être traité. Et c'est sur le fondement de ce traité bilatéral que Hope peut dire en quoi, comme entreprise, elle estime que ses droits ont été violés, notamment sur deux plans en particulier, l'expropriation de son invention, d'une part, et d'autre part, la violation de ce qu'on appelle le traitement juste et équitable, pour faire simple, ce qui est arrivé à Hope à travers son représentant légal, parce que le représentant légal de Hope, le directeur général, n'est qu'un actif de Hope, puisque c'est dans le cadre et pour le compte de la personne morale que j'avais été invité par le gouvernement au Cameroun. Donc, ce que le Cameroun a fait au représentant de Hope est une chose dont Hope a été victime. Et si vous regardez ce traité bilatéral Cameroun-USA, vous verrez que en réalité, les deux infractions dont nous parlons, et quelques autres, mais prenons les deux principales, donnent droit d'abord à l'indemnisation intégrale, de tous les dommages subis ou infligés par l'État qui se rendrait éventuellement coupable de ne pas respecter la loi des parties entre, en l'occurrence, le Cameroun et les États-Unis. Et vous verrez également que, en vérité, le traité bilatéral a élu le CIRDI comme étant la juridiction dans laquelle les investisseurs de chacun des deux États peuvent se rendre, s'ils le souhaitent, pour faire connaître leur litige de façon à obtenir droits et réparations. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes allés au CIRDI, c'est parce que, en fait, dans la nomenclature des tribunaux internationaux, pour faire simple, le CIRDI a la particularité d'être fondé sur un traité. Et donc, ces tribunaux rendent des décisions exécutoires dans l'ensemble des pays membres. C'est-à-dire que une décision rendue par le CIRDI, C-I-R-D-I, pour vos téléspectateurs, comme ça, ils peuvent faire quelques recherches, ces décisions sont exécutoires. C'est-à-dire, elles sont en plus assorties, si celui qui se plaint a raison, elles sont assorties d'intérêts moratoires. Et donc, on peut saisir les actifs non diplomatiques de n'importe quel pays parce qu'il est injusticiable, comme tous les autres. Et donc, quand vous avez une dette, individu ou entreprise, s'il y a une décision de justice contre vous, ben, on peut vous vendre votre maison, l'huissier peut venir saisir vos meubles, il peut saisir votre voiture. Quand c'est une entreprise, on saisit son compte bancaire, on saisit ses actifs. C'est bien, pour faire simple. Et bien, quand c'est un État, puisqu'il est injusticiable, c'est une personne morale comme une autre, dans le cadre du CIRDI, et de sa convention en tout cas, et y compris du traité bilatéral dont nous parlons tantôt, le CIHOPE devait prospérer, voir sa cause prospérer au niveau de la procédure qui est actuellement en cours au CIRDI. Cela veut dire que l'enjeu, c'est que l'Europe a la garantie que les décisions de dédommagement concernant l'indemnisation de la part de l'État du Cameroun seront exécutées parce qu'elles sont exécutoires. Donc ça, c'est la particularité de ce tribunal, pour répondre précisément à un volet de votre question, parce qu'effectivement, beaucoup d'États africains se retrouvent à se plaindre de ces tribunaux, alors que ces États ont délibérément ratifié des conventions, des traités internationaux. On ne peut pas à la fois signer un engagement et à la fois se plaindre de subir ses conséquences alors que tout le temps,
on n'a rien dit quand on en bénéficiait des avantages. Quand on attire des investisseurs étrangers, notamment ce traité bilatéral, noir sur blanc, prescrit que l'État qui invite l'investisseur doit protéger l'investisseur et les investissements. Doit, pas peu. Le ministre de l'économie ne pouvait pas l'ignorer. Le gouvernement ne pouvait pas l'ignorer. En tout cas, ne le peut pas. Donc c'est sur le fondement vraiment simplement du droit que Hope est parvenu à convaincre des third party funders, comme on appelle, des financeurs, ce sont comme des sortes de financiers qui sont spécialisés dans ce domaine-là, quand ils voient un cas de litige, si ces litiges leur paraît intéressant au terme de leur due diligence, toute une procédure où vraiment ils eux-mêmes font une sorte de tribunal blanc pour voir si à l'examen final on va passer son bac blanc, etc. On va passer son bac parce qu'on l'a réussi au bac blanc. Donc ils font cela et après ça ils mettent de l'argent sur la table, non pas en prêt, mais à fond perdu. C'est-à-dire que si Hope perd de l'argent, perd le procès, ils perdent tout leur argent, tous leurs millions. Et si Hope gagne, ils prennent une partie. Et il faut que nous informions vos auditeurs de cela et vos téléspectateurs. Pourquoi ? Parce que les investisseurs en Afrique, quand ils vont ailleurs ou quand ils vont dans un autre pays africain, ou alors nos amis qui parfois de la diaspora prennent des responsabilités dans les pays africains, ils doivent quand même contribuer à sensibiliser les autorités locales sur les enjeux, sur les risques que leurs actes parfois inconséquents, arrogants, insolents pourraient avoir. Alors pourquoi les Camerounais n'ont pas beaucoup saisi le CIRDI ? C'est probablement la quatrième fois que le Cameroun est traîné devant le CIRDI. Il y a très longtemps, du temps d'Aïdjo, du président Aïdjo, et puis sous le régime actuel, je crois que essentiellement les cas ont été négociés lorsque les entreprises ont menacé d'aller au CIRDI. Mais là, nous avons un cas qui veut que si vous êtes Camerounais, vous ne pouvez pas aller poursuivre votre État devant le CIRDI, puisqu'on parle d'un tribunal spécialisé dans les investissements internationaux ou transnationaux, pour dire les choses autrement. Donc, l'investissement de Hope ne pourrait pas être un investissement transnational si Hope était une entreprise camerounaise. Oui. Par voie de conséquence, une entreprise camerounaise ou un Camerounais qui ne peut pas aller devant le CIRDI se plaindre du Cameroun, comme un Français ne peut pas aller devant le CIRDI se plaindre de la France. Un Français peut se plaindre de tous les autres pays, sauf de la France. C'est ce que dit la convention qui régit le CIRDI. Et donc, par conséquent, ce qui me permet d'ailleurs, pour que ceux qui seraient un peu initiés parmi vos téléspectateurs s'en rendent bien compte, le cas notamment du brillantissime homme d'affaires camerounais Yves-Michel Fotso, avec sa banque au Luxembourg et autres, il est bien entendu que quand il était dans le camp de Condé Nguy, il a fait de son mieux pour s'en sortir ou pour créer une sorte de rapport de force en vue de sa libération. Il est évident qu'en tant que Camerounais, la procédure qu'on peut mener devant le CIRDI doit correspondre à d'autres desseins qu'à celui de vouloir vraiment gagner. D'ailleurs, le Cameroun a essentiellement joué sur le fait que le dossier ne pouvait pas être recevable parce qu'il est Camerounais. Voilà. Donc le CIRDI est un enjeu que les investisseurs africains, que les entrepreneurs africains doivent prendre en considération, soit pour en tirer profit, pas que le CIRDI, il y a la Chambre de commerce de Paris, il y a d'autres juridictions, mais je crois qu'il est temps que ça devienne un sujet normal, parce que dans la prise de risque, nous devons, dans notre équation, intégrer ce paramètre de façon à ce que on provisionne, aussi bien en connaissance qu'en moyens, pour que le cas échéant, on sécurise nos investissements, ou alors si on est du côté de l'État, que le cas échéant, les gens sachent prendre des mesures idoines, de façon à ne pas se retrouver à exposer l'État devant des tribunaux comme ceux-là, parce qu'après, là-bas, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de relation, il n'y a rien, il y a juste le droit, quoi, en fait. Voilà. Donc, où ce que nous disons est factuel et démontrable, et ma foi, nous avons de bonnes raisons, comme les financiers et les cabinets qui nous défendent, alors qu'ils ne nous connaissent pas et qu'ils n'ont aucune attache avec le Cameroun, je crois que ce n'est même pas leur préoccupation. S'ils partagent cette conviction-là, il est possible qu'en face, on ait aussi des génies qui vont faire des choses. Mais enfin, nous verrons bien. Là, on est sur le terrain du droit et je dois dire que nous sommes particulièrement sereins pour relever le défi, parce que cette fois-ci,
Vous parliez d'innovation, d'aller au CIRDI, ça en est une, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cas au CIRDI pour commencer. C'est plutôt souvent des entreprises, des personnes habituelles, des multinationales, alors les start-up ou des entreprises de la taille comme la nôtre, comme Hope, c'est plutôt rarissime en effet, c'est innovant de les retrouver devant le CIRDI, mais c'était sans compter avec notre détermination. Vous l'avez dit, nous sommes inventeurs. Donc arrivé à un moment donné, il faut quand même, si on ne veut pas laisser l'impunité prospérer à tout jamais, il faut trouver les ressources intellectuelles et voire spirituelles pour dire non au régime du ténèbre. Parce que là, ce que Hope et son représentant légal ont subi au Cameroun porte un nom, c'est le ténèbre. Ça porte un nom, c'est la méchanceté. Mais en droit, ils ont des termes plus poétiques. Traitement inhumain, dégradant, torture. Ça, c'est du droit. Oui, vous avez répondu à la première partie et à la troisième partie, mais la deuxième, vous n'avez pas beaucoup répondu. Je disais, quels sont les enjeux financiers de la chose, en quelque sorte? Alors, les enjeux financiers, puisqu'on est en droit, c'est qu'on calcule les dommages liés aux actions de l'État dans le cadre du traité bilatéral, pour le cas qui nous concerne, entre les États-Unis et le Cameroun, et aussi dans le cadre de la convention du CIRDI. Et donc, ces outils-là, et le droit international de manière générale, vous pourrez, le cas échéant, il y a Gide, qui est le grand cabinet d'avocats qui spécialisé en la matière et qui préside aux destinées de Hope devant le CIRDI, avec notamment Alexandra Munoz et Sadia Bati, qui sont deux femmes extraordinaires et leur équipe. Et donc, elles sont, je crois qu'elles ne diraient pas non, si on savait bien l'adresser, de dire un certain nombre de choses, le moment venu et le cas échéant. Mais à ce stade-ci, ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, ce n'est pas bien compliqué de comprendre que l'évaluation des dommages, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas ce que vous voulez simplement. C'est ce qui peut être démontré. Et vous avez des experts qu'on appelle les quantum, des spécialistes en évaluation des dommages subis dans le domaine des investissements internationaux ou transnationaux. Si vous regardez, vous verrez que ce secteur d'activité très pointu, très, très resserré, très étroit, a aussi ses leaders. Il y a beaucoup de noms, Accuracy, Ernst & Young, FTI, etc. Et donc, les partenaires financiers du groupe Hope qui ont mis tout ce qu'il fallait sur la table pour nous permettre d'aller au CIRDI, ont vite fait d'aller commettre l'un de ces spécialistes pour demander exactement, au-delà de l'opinion de Hope, au-delà de leur propre opinion, parce qu'eux-mêmes ont fait une évaluation interne, Hope en avait fait, Gide en avait fait, mais nous avons tous ensemble voulu qu'un expert spécialisé et surtout agréé, reconnu, fasse ce travail. Et nous avons pris l'un des tout meilleurs mondiaux, un cabinet parmi les tout meilleurs mondiaux, et qui a chiffré les dommages autour du milliard de dollars. Donc, l'enjeu aujourd'hui pour le Cameroun, au cas où Hope se verrait complètement donner raison, ça serait pour la fortune publique la modique somme du milliard de dollars. Donc, autour de 600 milliards de francs CFA.